A pris forme, sans parti politique, sans discours électoral, sans même de manifeste idéologique, pour énoncer les buts et objectifs des nouveaux révolutionnaires de fortune. En 1951-52, un jeune chanteur du Midwest américain nommé Richard Little a commencé à modifier le beat du Rhythm and Blues. À l'automne de 54, un film célèbre rendait populaire le thème musical Rock Around the Clock. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une profonde révolution sociale, économique, morale et culturelle a choisi de proclamer son radicalisme par la musique, les chansons et les groupes étoiles de cette cacophonie qu'on nomme Rock and Roll. Pas été pris tellement au sérieux, car tous s'imaginaient que c'était une mode de plus qui finirait bien par passer, comme l'avait déjà fait le Charleston, le Boogie Woogie et le Twist. Telle une vague de fond mêlée de boue, de sang, de scorie. 30 ans plus tard, la musique rock a évolué jusqu'à devenir la plus puissante révolution des corps, des cœurs et des esprits, jamais sortie des entrailles de l'enfer. Une génération dans la direction de l'autodestruction. Dans un océan sonore en furie. C'est ça, la révolution. La vérité vous rendra libre. Except in heaven.